acting in this business would definitely bring in all the stakes, all the actors, and every other person that's involved in making show business what it is. So we're talking about music today, and we're taking you all the way to Africa, precisely Central Africa in Cameroon, to meet this talented, gorgeous, she is a diva, and she does her things in her own way. She's very unique in her style, her voice, and every other thing. We're going to be discovering what has made her this person that she is, what has distinguished her from the other people, and why she has still managed to stay on top. Ladies and gentlemen, don't go anywhere. When we come back after the break, we will be talking and discovering all about this Bikutsi diva. The kind of music she does is called Bikutsi, and it's a very popular kind of rhythm which can be seen in so many countries around the Central African region. Bikutsi, it's like a kind of dance that in those days was done by hitting the legs on the ground, you know, in different movements and moving the body to kind of appease the gods of the land. Today it has become so popular, it's been infused in so many other modern music styles, and it's really gaining ground all over the world. Let's meet Lady Pons, the Bikutsi diva from Cameroon right now. Hello, Lady Pons. How are you? Ça va bien. On sait que Lady Pons est aux États-Unis pour une tournée américaine. Parlez-nous un peu de cette tournée. Alors, je suis là pour tourner deux spectacles. Bon, j'ai déjà effectivement fait le premier spectacle qui était le 22. Et là, je m'apprête à aller à Houston pour faire le clôturer et rentrer au Cameroun, sur Paris, parce que je joue le 1er mai pour la foire de Paris. Ouais. Je vais représenter au Cameroun. Comment était ce premier show ici à Washington DC? C'était bien, c'était accueillant. Surtout le public était un public vraiment le style de public que j'aime. On a fait la fête, on s'est parlé, on s'est secoué, c'est ce que je voulais et ça s'est très très bien passé. Alright, we're going to find out from her exactly who she is. So if you wanted to ask you, who is Lady Pons? Qui est Lady Pons? Alors, Lady Pons, c'est une chanteuse camerounaise qui fait ses débuts, je peux dire. J'ai fêté mes 10 ans de carrière il y a justement au mois de janvier. Et je fais dans le Bikutsi. Le Bikutsi, c'est une danse... plus précisément en Afrique centrale, où nos aïeux dansaient quand ils récoltaient des bombes, donc ils tapaient le sol pour remercier le dieu de la terre. Et Lady Pons, c'est une femme qui a encore à apprendre, surtout. Ooh, all the young guys out there, she's still figuring, searching. Huh? How did Lady Pons get into music? On sait que vous avez commencé la musique très tôt, à l'âge de 10 ans, vous avez été initiée dans la musique par votre feu maman. Qui est sûrement très fière de vous, de ce que vous faites aujourd'hui, puisque vous mimiquez votre maman, vous chantez presque comme elle. Parlez-nous un peu de votre vie. Alors, ma mère était une très grande cantatrice, une animatrice dans des soirées traditionnelles, des fêtes de mariage et d'autres. Et c'est comme ça que j'ai appris à chanter grâce à ma mère. Et du coup, un jour, ma mère elle s'est déplacée, elle est partie en ville. À l'époque, je crois que j'avais à peine 10 ans. Et il y avait la visite du sous-préfet. Du coup, ma mère n'était pas là et toutes les femmes du village paniquaient parce qu'elle était partie sur la boule pour chercher les vivres. Et comme ça, on me dit, parce que tout le temps, quand on me donnait une activité à faire, je passais mon temps à chanter, en balayant la cour,
ou même quand il fallait laver les assiettes, je le faisais en chantant. Alors c'est comme ça que l'une des dames à Tourette me dit, voilà, viens chanter. Voilà l'occasion. Ah oui. Alors j'ai répété, j'ai repris la chanson que ma mère avait composée pour le sous-préfet. Et il y avait le frère de mon grand-père qui m'a posé les mains sur la tête et m'a dit, tu seras une grande chanteuse. Wow. Moi, j'avais assez. Oui, il m'a donné des bénédictions. J'ai même eu le farotage du sous-préfet. Oh là là. Les dames, elles ont récupéré tout l'argent. Donc là, je m'en foutais. Moi, j'avais fait mon show. Et du coup, ce n'était plus ça. Et, il fallait rentrer à l'école. Donc du coup, même à l'école, je chantais. J'étais dans la chorale, je faisais un peu tout. Et mon père a mis son évolution sur moi, il m'a dit voilà, je devais être prêtre et j'ai vu que c'est toi qui peux prendre le flambeau. Il me fallait suivre les autres. Et les dix pensées retrouvées en train de... Alors, du dans une formation pour devenir... Oui, je partais dans des réunions pour devenir ça, pour vraiment être ça. Et du coup, c'était pas ma vocation. Quand j'ai perdu ma maman, du coup, j'ai perdu un peu une partie de moi, j'ai perdu un peu les repères et je me suis retirée de là. Et je me suis introduite dans les groupes au quartier et tout, puisque je ne partais plus à l'école. Je n'ai pas arrêté l'école parce que j'étais fainéante. J'ai arrêté l'école parce que je n'avais plus la possibilité de le faire, je n'avais plus quelqu'un pour me diriger, je n'avais plus quelqu'un pour me diriger. Le choc et tout, c'était pas facile. C'était pas du tout. Alors, facile. Comment est-ce que le tournant se fait? Allant d'une formation de belle-sœur, sœur d'église, à cet artiste qu'on vénère partout, que les gens célèbrent partout, que tout le monde veut écouter. Comment ça s'est passé ce tournant? Alors, vous dites vrai, je n'ai vraiment pas été préparée à être stage. Pas quelque chose qui te tombe dessus, c'est quelque chose qui vient comme ça, tu te retrouves... On te dit, voilà, ta musique joue partout, tu te retrouves, tu joues quelque part, les gens coulent les larmes, les gens qui t'aiment, les gens qui sont là pour toi. C'est ça le miracle de ce qu'on fait. Parce que tu n'es pas préparé à être célèbre. Et les gens qui t'aiment, ils t'aiment parce qu'ils attendent quelque chose de toi, ils t'aiment parce qu'ils aiment écouter ce que tu fais. Parce que quelque part, tu as chanté un morceau, ils se sont retrouvés dans ce morceau. Et c'est un amour pur, c'est un amour sincère, c'est un amour... on ne te juge pas, on t'aime tel que tu es. Wow. Et c'est le véritable amour en fait. Donc du coup, je me retrouve dans ce métier, je me retrouve à être célèbre sans vraiment être préparée. Et mais Dieu merci, j'ai tellement été bien entourée par des gens qui m'entouraient. Mon oncle, Christian Guigny, Chop Chop. Et après, j'ai aussi rencontré Guimétan, qui est aussi mon deuxième manager. Donc du coup, je me suis retrouvée bien entourée pour... mieux gérer le succès et pour continuer ma carrière. Comment les débuts étaient? Parce qu'on sait que souvent il y a des difficultés, des artistes peut-être qui sont bons ou peut-être pas, mais qui ne trouvent pas vraiment la voie du succès facilement. Comment ça a été? Alors le succès n'est pas venu tout de suite. J'ai d'abord été dans les groupes congolais, j'ai chanté le lingala, je peux même imiter une chanson. Philippe, Philippe Mamango, c'est vrai, tu me rends fou. Wow. Philippe Moto qui n'a pas de zoto, il y a des parfums et bolingo, il y a un nom. Tango toko abala, nanga nayo, tolinga lao, kola uta, pombo nayo, bima djembo. Donc j'étais dans ce groupe, on rêvait tous à être les Kofi Olomide, les JPMPA, oui, les stars du moment. Du coup, j'ai fait le groupe Accord, donc j'ai fait des cabarets. J'ai chanté Alizé Christopher, j'ai chanté beaucoup de cabarets. Si un jour je décide... grâce à quelqu'un qui m'a soutenue d'enregistrer mon album. Et voilà, il me donne des sous, il m'amène dans un studio, j'enregistre et je dis voilà, moi je veux que ce soit Monsieur Angoula qui me produit. J'amène le CD, je le laisse à Monsieur Angoula. Et c'est venu comme ça, je ne peux pas dire que vraiment c'est pas un chemin facile. Que les gens ne se trompent pas, parce que moi je n'étais déjà pas un artiste qui dit je chante le Kouti. Le Kouti est venu après dans mes idées, j'ai même rappé, j'ai fait du rap. J'étais dans des groupes de rap. J'ai choisi le Bikouti en dernière position. Et
Dieu merci, j'ai pas eu, comme je vois aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, excusez-moi, qui sont obligées de passer par l'opération canapé. Dieu merci, moi je n'ai pas eu ça, j'ai eu beaucoup de chance et je continue à dire merci à tous ces gens qui m'ont entouré. Même pour aller en Europe, je me rappelle en 2007, les premiers contrats pour l'Europe, Chop Chop a refusé, papa Christian Guinard a refusé, il dit non. Pour aller en Europe, on t'envoie le contrat, on nous dit déjà dans quel hôtel tu vas, avec tous les trucs de l'hôtel où tu vas dormir. Et il dit, il est hors de question que j'apprenne que tu es allé dormir sur le canapé chez quelqu'un ou on t'a fait une chambre dans la maison de quelqu'un, non. Ici déjà au Cameroun, on te paye des chambres d'hôtel, donc il est hors de question. Donc j'ai eu cette chance, mais je peux vous rassurer que c'était pas facile parce qu'à un moment je me dis mais les gens s'ils vont me faire refuser l'Europe comme ça là, ils sont sûrs que ce que je vais encore sortir va marcher. Donc c'est un peu aussi la rage, là on a envie tout de suite, dès que tu as le succès, tu vas aller en France, tu vas venir aux États-Unis, aller jouer et tout et tout. Est-ce que tu n'es pas sûr qu'après il y aura toujours le succès? Mais Dieu merci, moi j'y ai toujours eu. Comment les épouses ont réussi à rester toujours dans le jeu de la musique? Comment tu restes? C'est quoi la force de l'élégance? Alors c'est que je ne me prends pas trop la tête. Je ne me prends pas la tête, je suis restée telle que je suis. Je suis toujours avec les mêmes gens, les mêmes amis. Autour de moi, vous voyez mon orchestre, c'est les gens avec lesquels j'ai commencé dans les cabarets. Mon chef d'orchestre, c'est mon grand frère, je peux dire mon grand frère dans la musique. C'est lui, le premier micro je tiens comme ça pour chanter, c'est lui qui me le prend, qui me dit voilà, vas-y chante. Donc, c'est lui qui est mon chef d'orchestre, qui est Michel Solo. Honoré, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé tout mon orchestre aussi, vraiment les gens avec lesquels j'ai commencé et qui sont toujours là avec moi. Et ce que je fais, c'est la musique, je vis dans la musique depuis l'âge, depuis toute petite, parce que ma mère qui chantait déjà, elle n'a pas eu la chance d'être star, mais elle était déjà une star dans mon village. Oui, dans la communauté. Dans la communauté et tout. Et donc du coup, je grandis des ans, même si demain après demain, ça ne du succès, moi je me dis toujours merci Seigneur parce que ce que Dieu m'a donné, je m'attendais même pas déjà à avoir le tiers. Donc je m'attendais pas, je ne savais même pas quand j'allais prendre l'avion et venir aux États-Unis, aller en France, aller partout en Afrique, représenter le Cameroun. Mais si quelqu'un me disait ça comme, les liseuses de Bonaventure, j'allais dire, mais celui-ci, c'est fou de ma gueule. Les médiums. Oui, comme les médiums le font là, j'allais dire, mais ils se foutent de ma gueule. Puisque je n'arrivais même pas à avoir 100 francs pour payer le taxi. Comment lui peut me dire que je vais voyager? Donc on dit, la vie, l'avenir appartient à Dieu. Et quand Dieu le décide, il te met ton avenir entre tes mains et à toi de gérer, à toi de suivre le chemin qui mène au sommet. Voilà, on sait que ce n'est pas souvent très facile la voie du succès. Est-ce que Lady Pons a parfois rencontré des difficultés sur son chemin qui l'ont frustré à un niveau où vous avez dit je crois que je vais laisser tomber? Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça dans votre vie, dans votre parcours d'artiste? Alors, il y a toujours des difficultés dans chaque métier. Même dans ma vie, déjà, les difficultés, je les ai connues. J'étais toute petite, j'ai perdu ma mère. 6 ans après, j'ai perdu mon papa. Donc, les difficultés, je vis avec les difficultés. C'est les difficultés qui m'ont rendu cette femme, cette lionne que je suis devenue. Dans notre métier, oui, il y en a plein de difficultés. Je vais vous dire, vous allez voir dans les réseaux sociaux, les gens qui vont insulter les autres, c'est les autres artistes. C'est des autres artistes qui rêvent de devenir comme toi, qui payent les gens pour que les gens t'insultent. Vous allez voir les gens, quelqu'un va aller dans une radio sans me connaître, qui ne m'a même pas proposé une émission et commence à tirer sur moi. C'est les autres artistes. Donc, dans ce métier, le showbiz, c'est un métier où il y a tellement de la jalousie, il y a tellement des écrits. Il y en a seulement qui pensent que toi, tu as tué peut-être toute ta famille pour devenir célèbre. Mais la seule chose, je leur dis, dans ce métier, si tu veux réussir dans le showbiz, il faut avoir un cœur pur. Parce que composer déjà une musique, c'est spirituel. Quand tu composes une chanson, quelqu'un coule les larmes. Quand tu chantes cette chanson, c'est spirituel. S'il n'y a pas la spiritualité dans ce que tu fais, dans tes morceaux,
ça ne peut pas aller loin si tu as un cœur noir. Ta vie s'arrête là. C'est comme la vie de chaque jour. Prie. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je te demande d'éloigner de moi la jalousie, d'éloigner de moi la haine, de me donner l'esprit du pardon. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas évoluer. Donc, en même temps, toutes ces difficultés m'ont permis d'être vraiment quelqu'un de méfiant, m'ont permis de grandir et d'être forte. Parlons-nous un peu du processus. Maintenant, on va rentrer dans le processus du business, de la musique de Lady Ponce, parce que c'est pas seulement Lady Ponce qu'on voit devant la scène qui chante, c'est un travail aussi d'une équipe très forte qui travaille jour et nuit, parfois sans dormir. Parle-nous un peu du processus, de la marmite qui prépare la sauce. Ça doit pas être... Alors déjà, pour qu'il y ait du boulot, il faut d'abord composer. Comme moi, je compose toutes mes chansons, je n'ai pas la chance d'avoir un compositeur. En ce moment, je suis en train de prendre aussi des compositions. Si quelqu'un me propose, je vais les prendre. Déjà, il faut composer. On compose d'abord, il y a déjà l'arrangeur. L'arrangeur, c'est celui-là, tu vas au studio, et c'est lui qui trouve les mélodies. C'est vrai, la voix est déjà le premier instrument qui trouve d'abord une première mélodie et la gamme de ce que tu apportes. Et en fonction de la tonation que tu vas apporter, maintenant il faut qu'on trouve une couleur qui va avec les instruments. Donc ça, c'est pas moi qui le trouve, c'est l'arrangeur. Maintenant, l'arrangeur, il y a les instrumentistes, les guitaristes qui viennent jouer et tout, qui sont toute une équipe. Après cela, il faut un manager. J'ai même sauté beaucoup d'étapes, il faut un producteur. Les étapes, produit fini, le mixage, le mastering. Le mastering, c'est ça qui permet de regrouper le son. Ça permet au son de ne pas, quand on joue, qu'il n'y ait pas de fuite. Et ça gonfle aussi. Donc, quand tout cela est prêt, on trouve un producteur. On lui propose déjà une maquette. La maquette, quand tu proposes au producteur la maquette, il faut donner quelque chose qui n'est pas masterisé, pour qu'il ne puisse pas te doubler. Le producteur, le manager, c'est celui qui fait les négociations des contrats et tout, Moi, au Cameroun, je ne peux pas me balader seule. Autour de moi, j'ai une équipe de sécurité qui est mon chef de sécurité. Dès qu'on a le manager qui négocie les contrats, quand vous pouvez venir ici aux États-Unis, c'est le manager qui négocie tout. Moi, je n'ai jamais signé un contrat de ma vie. J'ai commencé ma carrière avec Chop Chop, avec qui je suis toujours aujourd'hui. Et après, quand Chop... il y avait beaucoup de dates aussi partout en Europe. J'ai ajouté Guimetan, avec qui je... Chop Chop, ça fait 10 ans. Et puis les débuts, donc mes 10 ans de carrière. Guimetan, ça fait 8 ans que je travaille avec Guimetan. Et on est toujours ensemble. Au jour d'aujourd'hui, nous travaillons aussi avec Roissy Ponce, ici aux États-Unis, qui s'occupe, parce que nous, on ne connaît pas bien les promoteurs d'ici, qui s'occupe aussi de travailler avec les promoteurs sur place, puisque je dois revenir. Comment est-ce que les dépenses choisissent son équipe? Alors, à mes débuts, j'ai commencé avec Césaire, les vibrations, qui a arrangé avec Fabilé le ventre. Césaire, les vibrations, qui a arrangé le ventre et le bas ventre. Je suis allée faire les prises de voix chez Christian Guiné. En faisant les prises de voix de Christian Guiné, c'est comme ça que je découvre Christian Guiné, qui est mon nom. Je découvre que c'est mon oncle. Je découvre tout le travail qu'il avait déjà eu à faire avec pas mal d'artistes. Et j'aime. Sa façon de me faire des prises de voix et tout. C'est comme ça que je fais le deuxième album, je commence les programmations avec Fabibé et je m'en vais finir toujours chez Christian Guiné. C'est de l'affinité et aussi ce que j'écoute, que vraiment quand j'écoute, je dis voilà, il travaille bien. J'ai travaillé également avec Bertrand et Bach, avec qui je travaille pour le prochain album. Je travaille également avec. Moi, je n'ai pas de préférence. Comme en ce moment, je travaille avec Saladier. J'ai trois morceaux que j'ai fait avec lui, le Saladier, j'ai trois morceaux que j'ai fait avec lui. Moi, je travaille avec quelqu'un quand j'écoute ce que tu fais et que ça me donne envie de travailler avec toi, je travaille avec toi. C'est comme ça que je travaille. Et maintenant, après la production de l'album, déjà, le son et tout, les producteurs et autres, comment est-ce que les types se préparent? Parce qu'après, quand la musique est prête, il faut faire la promotion. Voilà, c'est toute une autre histoire après. Comment est-ce que les types arrivent à faire tout ça? Comment ils s'organisent? Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je depuis pratiquement 3 ans aujourd'hui. Pour dire vrai, je paye la pension au Cameroun.
Je paie la provision à la CRTV parce que la CRTV nous reverse les droits d'auteur. Je paie la promotion parfois à Canal 2 et à beaucoup de chaînes aujourd'hui au Cameroun travaillent vraiment pour la culture. C'est donc vrai. Je dirais déjà merci à Golden House et Vive. Ils sont là. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne travaille plus, je n'ai pas payé depuis 3 ans, je n'ai pas payé la promotion au Cameroun. Je vais dire comme mon dernier album de son au Balema et autres. Toutes les chaînes m'ont soutenu gratuitement parce que moi je leur ai dit vraiment comment vous voulez que nous on paye la promotion et si nous n'avons même plus les droits d'auteur. Nous n'avons plus les droits d'auteur, vous voulez qu'on continue à payer la promotion. Nous avons Transafrica, je n'ai jamais payé un centime à Transafrica. Je ne sais même pas comment mes clips ont fait pour arriver à Trace. Trace a fait un boulot, ils ont récupéré mes clips. Je leur ai dit mais si vous voulez même qu'on signe des contrats, qu'on ne vous réclame pas les sous, laissez-nous signer ces contrats. Donc, Dieu merci, partout où j'ai parlé comme ça, tout le monde a essayé de nous suivre et tout le monde nous suit, tout le monde nous soutient depuis 3 ans. Peut-être là je vais signer un contrat avec un producteur, c'est là où je serai obligée de payer la promotion parce que aussi depuis 3 ans je me produisais seule, donc ils comprenaient que je me produis seule, donc normal que je ne paye pas la promotion. Voilà, on a aussi, on s'est rendu compte, on observe, on voit que les clips de Lady Pon sont vraiment de taille Hollywood, style Hollywood. Comment est-ce que Lady Pon arrive à réaliser ce type de clip? Pourquoi ce choix? J'aime le travail très bien fait. Le seul clip que je n'ai pas réalisé, que je donne vraiment mes idées, c'est le dernier clip Connais-tu l'amour qui a été réalisé totalement, entièrement par Max Nassa. Tous mes clips, j'ai toujours donné des idées, j'ai dit voilà ce que je veux et tout et tout. Parce que moi je regarde beaucoup. Dans ma voiture, vous n'allez jamais me trouver écouter ma musique. Si j'écoute ma musique, c'est un travail que je suis en train de faire, qui est un studio qui va bientôt sortir. Mais dès que ça sort, je l'écoute. Oui, vous venez dans ma musique, je vais écouter, dans ma voiture, je vais écouter, j'écoute tout le monde. Parce que ça m'évite de reproduire les mêmes sonorités, de reproduire les mêmes beats dans le travail futur. Donc ça, c'est pour cela que je n'écoute pas ma musique. Et les clips, quand je regarde les clips des Américains, je dis waouh. Mais même l'à peu près aussi, moi aussi même l'à peu près là. Essayez un peu de faire l'à peu près. Il faut qu'ils aussi, il faut dire que waouh, il y a une, oui, et aujourd'hui qui fait quelque chose. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons des jeunes talentueux que, quand je, qui tournent des meilleurs clips. Des meilleurs, quand je vais revenir, parce que je disais ça tout à l'heure, quand je vais revenir, je vais tourner le clip un clip ici. Donc, c'est comme ça que je travaille. Je dis voilà, j'ai vu un clip de Rihanna qui était comme ça, et je ne vais pas plagier. Mais je dis voilà, moi je veux ça comme ça, dans tel esprit. J'ai vu un clip de Beyoncé, je veux ça comme ça. J'ai vu un clip Nigeria qui était comme ça, j'ai aimé, je fais un peu l'étalonnage. Donc, elle diffuse un peu partout. Partout. Quand elle voit que c'est bien, je n'ai pas tout le temps, c'est bien. J'adopte, wow. Je ne triche pas, mais je dis, je veux l'étalonnage qui est là, j'écris mon scénario, je te l'envoie. Un peu du travail de scène, parce que après la musique, la vidéo, dans la vidéo, il y a des acteurs dans ces vidéos, des figurants, oui. Il y a des figurants, il y a des danseurs. Comment est-ce que les dépenses choisissent tous ces gens-là qui font partie de ces vidéos? Alors les danseurs déjà, ce sont les danseurs qui sont employés par moi, qui travaillent avec moi, qui font des spectacles par moi. Il y en a qui sont même venus ici en France avec moi, ici en France avec moi pour faire 2 ou 3 spectacles. Alors les figurants, je ne m'en occupe pas. Okay. Je préfère laisser ça à l'équipe de réalisation parce qu'ils doivent signer des contrats pour les droits d'image et tout, donc je les laisse gérer cela. Les lieux de tournage, je ne m'en occupe pas. C'est l'équipe de tournage qui me dit voilà. Parce que moi, je peux trouver à chacun son boulot. Moi, je peux trouver un endroit, je leur dis voilà, il faut qu'on travaille ici. Par rapport à ce que moi, je leur demande, on me dit non, ici, là, on ne peut pas te donner ce que tu veux. Donc, je préfère vraiment la laisser libre choix. Et moi, j'attends seulement le résultat final. Maintenant, niveau vestimentaire, j'ai quelqu'un qui s'occupe de m'habiller. Qui me dit voilà, on veut que tu t'habilles comme ça et tout. Et moi, si j'avais fait un peu des propositions, maquillage, coiffure, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça, qui n'a rien à y voir avec l'équipe de tournage. Mais au jour d'aujourd'hui,
beaucoup d'équipes de tournage préfèrent travailler avec leur maquilleur. Parce qu'au moins, parce qu'ils savent ce que le maquilleur, il y a des maquilleurs de clips, il y a des maquilleurs d'émissions, il y a des maquilleurs de chaque domaine. Et nous, parfois, on confond, on amène un maquilleur qui est tout simplement un maquilleur qui peut juste te maquiller à la maison, comme le maquillage que toi-même tu fais. Un maquilleur professionnel, et ils connaissent parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec ces gens. Donc, je préfère souvent les laisser ce côté-là aussi. Qu'est-ce que Lady Bones peut dire du showbiz au Cameroun? Est-ce que le showbiz marche vraiment? Est-ce que le processus est vraiment cadré? Est-ce que ça donne la possibilité aux artistes de réussir? Alors, le showbiz marche parce que si tu veux que moi ça marche, si tu veux qu'on te prenne au sérieux, prends-toi au sérieux. Excuse-moi, quand tu es un artiste, ton téléphone sonne à tout moment, c'est toi-même qui négocie les contrats. Sois tranquille qu'on va te proposer du n'importe quoi. Est-ce que le processus du showbiz... Ça fait partie du processus pour que ça marche. Mm-hmm. Il faut être bien entouré pour que le showbiz marche. Il faut être bien entouré pour être respecté. Et il faut, même quand tu donnes un coup de main à quelqu'un, il faut que ça soit bien bien structuré. De telle manière, même si tu dis d'abord à ton manager, il sait que tu as de la famille, il sait que tu as des amis. Tu dis voilà, je dois aller jouer dans le mariage d'un ami et tout. Je veux que tu essaies de voir comment je peux. Il met tout le plan, voilà, tu arrives à telle heure, tu joues, tu pars à telle heure. Donc tout ça, si tu veux que ta carrière marche, au Cameroun ça marche très bien. Je connais des jeunes qui que vraiment ça marche. Moi, depuis des années, ça marche bien parce que j'étais bien entourée. Pour que ça marche, il faut être bien entourée. Et il faut aussi écouter quand ton manager te dit, voilà, ici, on ne peut pas le faire. Ici, il faut faire comme ça. Et ici, il faut faire... Et parfois, il faut aussi se faire violence. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé le ventre, le bas, quand tu as commencé à jouer un peu, je peux vous rassurer que j'ai commencé à jouer pour 120 000 fois. Je dis que non, mon manager, tu vois, je ne peux pas me dire, va, tu as comme ça, tu joues comme ça pour 50 000 ou 3 mois. Je sais ce que je fais. J'ai joué pour 50 000 pour 3 mois. Il a bloqué. À un moment donné, il dit, tu ne joues plus pour 50 000, c'est 500 000. À un moment donné, il dit, le deuxième album, tu ne joues plus pour 500 000. 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est comme ça que le travail, tu ne peux pas être ton manager. Tu ne peux pas vendre ton image en même temps. Tu ne peux pas en même temps négocier le contrat. Chacun laisse à chacun son travail autour de toi et vraiment tout ira mieux et tu vas bien vivre pendant des années dans ton art. Est-ce que Lady pense s'associer à d'autres grands artistes? On sait déjà que vous avez fait des featuring avec le grand Mopao, un featuring très très super, très apprécié par le public. Est-ce que Lady pense compte aussi travailler avec d'autres artistes africains voire mondiaux? Oui, pourquoi pas. J'ai fait également avec X Malia, j'ai fait un featuring avec X Malia, j'ai fait un featuring avec pas mal d'artistes et je suis aussi en train de vouloir le faire avec d'autres artistes. Moi je suis ouverte, je suis prête à chanter avec tout le monde. Et un artiste déjà qui m'apporte un plus et un artiste déjà il faut que je sois fan de toi parce que moi je suis fan de beaucoup d'artistes. Il faut que je sois fan de toi et que j'aime, j'apprécie d'abord ce que tu fais. Et aussi, je donne aussi des coups de main aux jeunes. Parfois, il y a des jeunes, un jeune peut me contacter et me dire, voilà, comme ils ont l'habitude de faire, maman, il dit, vraiment, j'ai envie de lancer ma carrière. Si tu mets seulement un petit mot dans... Moi, je le fais. Je le fais, je l'ai fait avec les jeunes, bientôt peut-être ça va sortir et tout, qui sont encore au studio. Où est-ce que Lady voit la musique camerounaise? Comment tu... Comment tu perçois la musique camerounaise, disons, dans 5-10 ans? Alors, la musique camerounaise, dans 5-10 ans, moi je sais que la musique camerounaise, elle sera au top. Elle sera au top. Je vois d'ici 10 ans, les jeunes artistes camerounais en train de faire les featuring avec les Rihanna, avec pas mal d'artistes. Moi j'ai foi à la jeunesse camerounaise, j'ai foi à l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, la musique camerounaise se porte très très bien. Les dépenses ont reçu de nombreux prix. Au Cameroun, vous êtes une célébrité partout dans le monde, vous passez, les gens reconnaissent, ils chantent vos musiques. Parlez-nous un peu du sentiment que ça vous apporte. Je dis tout ce que je fais, je le dois à l'éternel et à mes fans.
Mais c'est pas vrai, pourquoi il pleure? Quand je vois un fan qui... je dis, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est, pour moi, je ne réalise pas. Il y a des moments, moi, quand je marche et tout, je ne me considère pas comme une star. C'est quand quelqu'un me reconnaît et tout, parfois je suis même perdue, je vous jure, je suis même gênée. Je suis vraiment gênée parce que j'ai un peu honte. Je dis, ah purée, qu'est-ce que j'ai fait? Et je me rappelle quand je venais dernièrement ici aux États-Unis, j'étais à l'aéroport et j'avais un blanc là, un petit dragueur blanc là. Et je ne savais pas que c'était le même terminal que les gens qui partaient au Cameroun. Parce que comme j'ai voyagé à une compagnie qui partait aussi également au Cameroun. Et du coup, il y avait un blanc là qui me lançait un peu le maïs. Moi, je croyais qu'il me demandait quelque chose. Alors, je me rends compte qu'il est en train de me lancer le maïs. Du jour où je faisais mes courses et tout, il ne faisait que me lancer le maïs. Alors, deux, trois, une personne est venue. Ah, Lady Pose, il fait la photo et tout, il part. Et l'autre, ah, Lady Pose, pas de star. Il fait la photo et il part. Et le blanc demande que, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Je lui dis, je suis Adèle. Il dit, non, c'est pas le nom qu'ils ont, c'est pas le nom qu'ils ont donné. Ouais. Ah, je dis, bon, il me dit, ah, c'est une célébrité. Je dis, on peut dire ça. Et il me dit, comment ça, on peut dire ça? Vous avez les gens qui font les photos avec vous? Et tout, bon, du coup, j'ai dit, oui, bon, je chante et tout. Il dit, ah, bon? Alors du coup là, ça a gâté mon il business. Il a compris que là, ce n'est plus mon niveau. Non, ça a gâté mon business. Du coup, il commence à me demander c'est quoi mon nom d'artiste et tout, machin et tout. J'ai dit, mais, je dis, mais les gens, ils ont mis le sel dans mon tapioca. Là. Alors, vous êtes née à Adèle Bouffine Ngono. Oui. Aujourd'hui, Lady Ponce, comment ce nom est arrivé? Alors, quand j'étais petite, en fait, j'étais un peu trop rebelle. J'avais un côté un peu, comment dire, un côté surnoise. En fait, c'était quoi? Je ne joue pas avec les enfants, mais je peux, par moment, te faire un truc. Et tu te m'as appelé, on te dit, mais qu'est-ce qui t'a fait ça? Je suis là comme si ce n'est pas moi qui l'ai fait, en tout, en fait. Donc, du coup, mon cousin, mon faux cousin, Gongo, il m'a donné le surnom Ponce Pilate. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, donc j'ai grandi, on m'appelait Ponce Pilate, Ponce Pilate, Ponce Pilate. Même quand je chantais dans des cabarets, c'était Ponce Pilate. Et du coup, quand je me décide à sortir mon album, je cherche vraiment un nom d'artiste. J'ai dit Ponce Pilate, ça fait trop mec. C'est vrai que je faisais aussi, j'étais un peu comme mec. Je marchais avec les mecs. Il fallait rajouter un petit truc là. Ah oui, et là je me rappelle que ah, j'étais encore toute petite. Et il y avait une blanche, c'est la même fois je voyais une blanche aussi belle à la télé, Lady Diana. Et c'était une princesse, et là j'ai dit, ah, Lady Diana. Et j'aimais son nom là, ça sonnait très très bien. J'ai dit, bon, je vais enlever Pilate là, je balance Lady. Voilà. Et alors du coup j'ai dit, maintenant je ne m'appelle plus Ponce Pilate, je m'appelle Lady Ponce. Oh là là. Quand quelqu'un m'appelait au quartier Ponce Pilate, je ne me tournais même pas. Ponce, c'est toi que j'appelle? J'ai dit, non, 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 Ponce là c'est fini, c'est Lady Ponce. Et c'est comme ça que j'ai adopté, j'ai changé. Waouh, on sait que vous avez reçu un prix en 2014, vous avez été élevé au rang de chevalier de l'ordre de la valeur au Cameroun. Parlez-nous un peu de cette expérience-là. Alors, c'est comme je dis, c'était toujours comme une surprise. Hein, déjà, je ne savais même pas qu'on donnait ça aux artistes. Donc, donc du coup, on m'a dit, voilà, le ministre de la Ministère de la Culture a décidé comme chevalier de l'ordre de la valeur et tout. Et bon, j'ai dit pourquoi pas. Dommage, je n'étais pas sur place, mais chance pour moi, Alain Boban est allé me présenter. Il travaille beaucoup, Alain Boban, le king. Hein. On a plein d'animateurs, qui travaillent beaucoup pour de moi. DJ et tout cela. Moi, je me dis que c'est tout un processus, tout c'est un processus. Système et chacun. Important, ouais. Parce que s'il ne travaille pas, ça ne peut pas donner le résultat que ça pas donne. Pas du tout. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui, dans votre équipe, qui vous ont vraiment marqué par leur dévouement, par... Alors, je vais prendre quelqu'un comme Alain Boban. Alain Boban, c'est quelqu'un, comme je le dis souvent, il y a des gens qui n'ont pas, qui ne sont pas de votre famille, mais qui dépassent même vos membres de ta famille. Alain Boban est la seule place là dans ma vie.
je vais prendre quelqu'un comme Job, je vais prendre quelqu'un comme Guimeta. C'est les gens là qui m'apportent à manger. C'est ces gens qui sont dans ma vie. Donc, moi, c'est les gens que j'aime énormément ma famille. Mais c'est les gens que même un membre de ma famille ne peut pas blaguer avec. Parce que je leur dis, c'est eux qui ont ma vie. Parce que c'est eux qui m'apportent à manger. C'est eux qui me cherchent des contrats. Et j'ai des journalistes et des animateurs qui me soutiennent, qui ne m'ont jamais rien demandé. Je vais prendre le cas de Alain Dester, Aivo, Serge Tamba, plein, ils sont pleins, les séries Bodico, ils sont tout le monde, je m'excuse si je n'ai pas cité tout le monde. Ils sont tellement nombreux et vraiment votre travail est reconnu. Pour vous, quelle est la chose la plus importante à faire pour que son show business marche vraiment? Quel que soit le type de show business qu'on choisit, ça peut être la musique, ça peut être l'art, ça peut être les films. Parce qu'elle l'a dit aussi, tout dans les films, aussi actrice au Cameroun. C'est dommage. On essaie tout, non. Le Camerounais essaie toujours tout. C'est quand tu essaies tout là que tu découvres que ici, là, non, là, ce n'était pas pour moi. Je rentre là où c'est pour moi. Alors, pour que vraiment le showbiz marche, moi je dis, pour que ça marche, sois d'abord honnête toi-même. Et entoure-toi des gens vrais et des gens professionnels et des gens qui travaillent vraiment pour toi. Je dis, quand je dis travaille vraiment pour toi, qu'ils sont pour toi. Et maintenant, laisse-les faire leur boulot. Parce que ça facilite les choses. Si tu dis, j'ai le manager et toi-même tu passes le temps à négocier le contrat, ça veut dire que tu ne sais pas où tu es, ça tue quelque chose. Ça tue même le mythe aussi. L'artiste aussi. Quelque chose, l'artiste, c'est d'être, c'est un mythe. Quand tu es artiste, c'est pas, on ne va pas t'appeler n'importe comment, on ne va pas te chercher n'importe comment, c'est pas tout le monde qui a ton téléphone. Parce que derrière, en tant qu'artiste, tu as aussi une vie. Tu as une vie normale. Dis-toi que si tu n'étais pas artiste, c'est que tous ces gens-là devaient chercher à avoir ton numéro. Non. Donne le numéro à ceux qui doivent avoir ton numéro. Ne te dis pas parce que je suis artiste, mon numéro, je vais le donner à 5000 personnes. C'est ça. Les 5000 personnes-là, c'est pour les managers. Donc c'est ça, le vraiment, pour que ça marche bien. Maintenant, là j'ai signé un contrat avec les Baras Mobiles en France. C'est parce que quand tu arrives dans un pays, ils cherchent aussi à t'intégrer. Rester avec des gens de qui travaillent même vraiment dans le showbiz américain. Si tu viens ici, là, commence à chercher des opportunités. Moi je suis plus en France, je ne connais pas trop ici. Je suis plus en France, donc j'essaie de m'intégrer. Je dis voilà. C'est le même groupe qui m'amène aujourd'hui avec la collaboration de mes managers jouer à la foire de Paris. Donc, oh, ça c'est super. Hein? Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, le showbiz, pour tenir dans ce showbiz, moi ça fait 10 ans, il y en a les confis de midi qui sont là depuis des années, des petits pays. C'est les gens comme ça que j'essaie de regarder. Je dis comment ils font. Comment ils se comportent, comment ça se passe, je les regarde, comment ils fonctionnent. C'est comme ça que je dis à mes managers que fonctionnons aussi comme ces gens-là. Parce que moi, j'ai envie d'être la femme là. Pourquoi on parle toujours des confiolomidés, on parle toujours des petits pays. Je vais être celle-là, donc on va aussi continuer à parler de moi. Wow, vraiment, c'est super. Et on sait que Letty Pons, elle a son style à elle. Hein. Quelle est la stratégie que vous utilisez? Est-ce que vous avez une stratégie à vous, peut-être que ce soit vos coiffures, parce qu'on sait que vous êtes initiatrice de plusieurs choses. Les coiffures, il y avait un temps, Lady se coiffait, toutes les filles partout en Afrique ont décidé de se coiffer comme Lady Pons. Je crois que Lady Pons aussi, elle a introduit les Brésiliens très longues au Cameroun et ça a été, vous êtes une initiatrice de mode. Est-ce que c'est votre stratégie pour percer dans le show business? Ah oui, tout va avec. À un moment, je l'ai négligé et tout. À un moment, j'ai compris que tout va avec. Quand j'ai vu pas mal de grands stars, des grandes célébrités dans le monde, j'ai dit ok, tout va avec. Moi, c'est que je suis presque naturelle. Moi, ça peut arriver, là, je dis voilà, Gwendoline, j'ai envie de me raser la boule à zéro. Même si tu vas me dire, non, Lady, ne fais pas ça. Demain, tu me vois, j'ai déjà ma boule à zéro. Parce que au moins, je respire. Je dis, je voulais. Voilà.
Et du coup, parfois, ce que moi je simplifie, c'est ce que les gens adoptent. Quand j'ai commencé avec les Rasta, avec les Kori, avec les Perles, tout le monde l'a fait. Quand j'ai amené la punk dernièrement, tout le monde a fait cette punk. Les Brésiliennes, tous les Camerounaises voulaient faire les Brésiliennes et tout et tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait comme ça. Je peux rester comme ça. Je te dis, voilà, je vais faire le fil à tresser, comme on me tresse avec le fil, comme à l'époque. Moi, c'est comme ça que je suis. C'est pas un truc que vraiment j'ai dit, voilà, je vais ramener telle chose. Je le fais comme ça et du coup, je vois que les gens aiment et tout. Et c'est comme ça que je reste calée sur ça. Alors, on va terminer maintenant avec un mot puissant, un message de Lady Ponce à ses fans, pas seulement au Cameroun, en Afrique, partout dans le monde, qui vous regardent en ce moment. Alors, Lady, c'est à vous. La seule chose qui nous manque, c'est l'amour du prochain. Aimons-nous les uns les autres. Respectons nos gens, nos semblables. Ne dites jamais que ce qui se passe chez tel ne va jamais arriver chez moi. Parce que quand ça se passe chez l'autre, ça se passera aussi chez toi. Aimons-nous d'abord vraiment. Si vous voulez le changement, il nous manque vraiment beaucoup d'amour. Hello! My name is Lady Ponce. I'm in America. I love you. And that's why we draw the curtains on today's edition of Show Business. Yes, because there is no business if it's not show business. There's a lot happening in the entertainment industry. I would definitely be at your doorsteps with our cameras and our microphones to find out what you are doing. Today, we had iconic figure of the Bikutik music in Cameroon, Lady Ponce. She shared so much with us. We want to thank her so much. And we'll see you next time for another exciting edition. All right, ladies and gentlemen, God bless you and bye.